viagère pas l'embrayage. Grosse rafale bâtard, je prends 5 ou 600 tickets. Je suis dans la vocale, faut faire les bails. Et combien d'entre eux font les voyous? Gyrophare qui passe, ça jette un caillou. Ils se font rien, les vrais gars. Il est au téléphone, Oli? Il est au téléphone avec qui? Ah! Ah! A l'aide! A l'aide, libérez-moi! A l'aide, par pitié, appelez la police! Je suis pris en otage! Loli, le téléphone. Ah ah, pitié! Pitié! Il va me frapper! Non! A l'aide! Ah, ça me fait trop rire, ça! Ouais, ils s'en foutent, quoi, ils pensent à nous apeurer, voilà! Voilà, je suis mal que je vois nos mamans pleurer, voilà! Voilà ce qui arrive quand tu fous la merde, voilà! Tiens, tiens, je me demande bien où est-ce qu'on. Après, j'ai vu une tourelle comme ça à Shanghai, hein. Donc, on n'est pas sûr. Je connais des mecs qui connaissent CH. De toute façon, ils l'ont autorisé à clip à Bobigny, donc il a pas trop le choix s'il veut reclip là-bas. Il a fait un feat avec un grand d'où j'habitais, donc je pense tranquille. Ah, moi, il a niqué ma mère, donc. Bah, c'est vrai, c'est pas le fils de Serge, frérot. You're right. Je me retourne pas, c'est quoi ces conneries? Tu parles avec qui? Family? Buddies? Allez, je me retourne. À la une! À la deux, je rigole que à la deux, direct! Ah les bâtards! Vous avez cru que j'allais aller jusqu'à la 3, hein? Je vous ai eu, bande de petits filous. Encore! On peut prendre les voitures ici, tu connais ou pas? Attends, y'en a un autre d'ailleurs, non? Non, ici, c'est bien. On le fait à la main. Allez, vas-y. Attends, mais il le fait trop bien. Mais il le fait cher bien. Perfecto. Super, mais tu le fais trop bien. Allez, grimpeur. Mason fit to papi. Tu veux qu'on fasse ça, Elias? Et quand Vrand sur le beat, y'a toutes mes putes qui me futent la beat. Yo, moi dans le rap, j'ai enseigné plein de liasses de BL. M'appelle tout Elias quand Vrand. Ça y est, ça part de là. PTR, je dois kicker en zozotant là. Bref, j'ai le goth, dis-nous c'est quoi ton petit problème. Oh, j'ai deux problèmes. En gros, j'ai. Le premier problème, c'est genre. T'as vu, je regarde tous les lives des JL et tout. Ouais. Mais genre, je préfère la K-Corp. Genre, je préfère regarder Kam et tout et tout. Mais genre, je préfère la GL, c'est bizarre. Tu préfères la GL ou la KC? Justement, c'est ça le problème, je sais pas. Si tu dois choisir entre une des deux, vraiment. Là, je dirais GL, mais j'ai plus de points de chaîne sur la K-Corp et tout. Mais je sais pas trop en fait. Regarde, on va faire un truc simple. T'as une meuf, t'as quelque chose? Non, je suis plus au culot. Genre, t'as pas de meuf, t'as une soeur, une cousine? Ouais, j'ai une soeur, mais je viens du Nord. Tu préfères que ta soeur se fasse baiser par Kameto ou GL Thomas? Dis la vérité, ça. Oh, préfère Thomas, mais je préfère qu'elle se fasse baiser par Kameto. Pourquoi tu poses des questions comme ça à la famille, c'est courant? Non, parce que ça sort pas, c'est pas de l'expiration, c'est de l'inspiration. Moi, quand je rigole, frère, y'a. 7 km de bourrasque qui part. Wesh. Y'a pas fermé la porte de la sorte. Vous savez, en fait, avant le live, y a un livreur Amazon, il m'appelle, il me dit, ouais, j'ai une livraison dans le 9-4 et tout. En fait, moi, je me suis dit, mais j'attends pas de colis et tout. Et après, je me suis dit, ah, 9-4, ah ouais, ça doit être pour Mago chez elle. Et je lui dis, bah attendez, moi je suis pas là-bas. Mais je vais appeler Mago et je vais lui dire qu'elle vient, hein, qu'elle vous prenne le colis quoi. Et je lui dis, vous pouvez pas laisser dans la boîte aux lettres au cas où elle est pas là. Il m'a dit non, c'est trop gros et tout. Et du coup, j'appelle Mago, elle répond pas et le livreur il me rappelle. Et je lui dis, ouais, du coup, elle est pas chez elle, elle peut pas venir tout ça. Il me dit, ah ok. Et je lui dis, bah du coup, elle fait comment? Elle me dit, bah elle appelle Amazon, elle voit ça avec eux et tout, au calme. Elle reprogramme une livraison. Je lui dis, ok. Et là, c'est lui qui m'appelle 5 fois depuis tout à l'heure. Là, je décroche et il me dit, ouais, pour ta copine et tout, c'est comment? Je lui dis, mais attends, comment ça, c'est comment? Il me dit, bah le colis et tout. Je lui dis, mais je vous ai dit qu'elle était pas là déjà. Elle dit, ah ouais, mais peut-être que maintenant c'est bon, non? Je crois il veut baiser ma meuf, ouais. Putain, j'ai la haine. Moi, je suis là, je regarde Cauchemar en cuisine comme un keuk. J'ai vraiment une petite salope. Allez, Tchebes, fais-nous des masterclass, je t'en prie. Elle est probablement en train de se faire soulever par Hakim, là, putain. J'ai l'impression d'avoir tout loupé. Ah ouais, c'est sûr, il a des Louboutins au pied, je peux pas rivaliser sa mère. Il a les Louboutins avec des pics là sur les côtés. Ça c'est, je suis fou. Et ben voilà, on va tous pleurer tous ensemble. Allez, c'est parti, on pleure tous ensemble. Ah, elle me fait de la peine. Croyons ce que je dis. Appelle ta meuf pour voir. Attends, je vais l'appeler. C'est quoi son numéro déjà? Ah oui, parce que je l'ai bloqué elle aussi.
Attends. Allô. Allô. Ouais. Ouais, le livreur, il arrête pas de m'appeler. What the fuck, envoie-lui juste un message en lui disant, en lui donnant mon num 06. Ok, je lui donne ton num. Désolé, t'es en live, désolé. Non, mais je vais lui donner ton num, ok. Ouais, vas-y. Bisous. Il faut lui fasse trop de mal, qu'il se sente une merde, ça m'énerve, ça. Vous avez peur que je le bouge trop. Mais la tête d'homme, on va pleurer tout ça ensemble maintenant. Déjà, merci à Prince d'être venu. Bah franchement, j'espère que t'as passé une bonne soirée, mon frère. Moi, j'ai passé une bonne soirée, genre j'étais timide un peu, c'est normal. Oui, mais franchement, merci beaucoup la team GL de m'avoir invité, ça me fait très très plaisir d'être là et voilà. Avec plaisir. Avec plaisir. Merci Bichou d'être revenu et que tu repartes. Je repars demain 11h, frérot, donc y a pas de problème. Oh, moi aussi. Écoutez, je ne vous dis pas pourquoi ni comment et tout. Je vous annonce juste que samedi prochain, il y aura un samedi canap et pas un samedi JL. Donc il y aura deux samedi canap d'affilée. Exceptionnellement. Okay. Voilà, c'est ça. Merci de nous prévenir. Je vous préviens. Semaine prochaine, il y aura un samedi canap et vous aurez des informations tout au long de la semaine. D'ailleurs, la semaine qui arrive sera pleine de surprises. Voilà. C'est dû. Ok. Surprise, J'ai le Tony Malaisan prend la tête à tout le monde avec son accent espagnol de merde. Nique ta mère, fils de pute. Ouais, c'est la jungle, tenez-vous les refs. Après les gens ils vont dire quoi? Ouais, les GL, je sais pas quoi. Vous êtes sérieux, vous? Coucou les loulous. Alors, qui va me passer de la thune? Oula. Allez, passez la thune. Non. Passe la thune, grand fou. Sinon je vais tirer dans ta tête et je vais mettre mon AK dans ton cul, tu vas voir. Allez, dépêche-toi. Je rigole pas. C'est moyennement okay. Sexy, ça. Ouais. Ah, mais c'était un test? C'est vrai, je suis perdu. C'est pas très sexy, on veut de la danse, on veut du sensuel. Non, on veut être payé, surtout. C'est pour oui, ça qu'on danse. Il faut explique-lui, Hilda, je vous explique lui, vas-y. Il faut être persuasif de manière sexy. Avec de la danse, de la sensualité. On verra si Don aura. Merci. Okay. Merci beaucoup. Ouais, c'est ça, ouais. Allez, je monte. Mais tu es devenu fou, Donny. Tu es devenu fou. Tu respectes plus, hein. Excuse-moi, je vais me rattraper. Tu as pris la confiance. Je vais te choupar. Oui, c'est ça, oui. Dégage. Fils de pute, va. Envole-toi, fils de pute. Nique ta mère, envole-toi. Vite. Non mais je pense que la Zedlana vous êtes assez train pour faire deux jours hein. Ouais, je pense aussi un peu ouais. Crois-le. Incroyable. Je parle du nez. Hein? Comment ça s'appelle c'est où c'est, là c'est ton nez qui parle de toi frérot. Aïe. Non mais ça va, on peut se vanner frère, ça va de ma taille, on vanne les voix, tout le monde se vanne. Ok. Par contre, c'est où, s'il vous plaît? Je sais pas. Mais attends, mais... C'est... Oh, Fennec, bâtard. Ouais, je commence à... let's go. Ça y est. J'ai peur. Wesh. Wesh, je suis troisième. Waouh, j'ai eu de la chance, hein. D'accord, ça ressemble à la Suisse. Non, en tout cas, bah frère, Freeze, c'est trop. Hein. Freeze, c'est trop, frère. En fait, je sais pas si Freeze, il est vraiment au-dessus ou si c'est parce que j'aime Freeze que je suis pas objectif. J'arrive pas à savoir, gros. Mais son entrée sur le couplet, elle est exceptionnelle quand il a dit c'est des ogives nucléaires contre des pétards, là. J'ai trop aimé comment il a passé. On n'est pas comme ces peureux. On est bloqué dans le bloc. Et on vit serre pour des euros. Sur la vie de ma mère. On n'est pas comme ces peureux. On est bloqué dans le bloc. Et on vit serre pour des euros. Il me faut du Wari. RS Quattro ou Ferrari. Je fais appel de phare. C'est sur la voie de gauche que je vais rester calé.